après Esaïe 26, du verset 20 à 21. Il est écrit quoi? Il a connu de Dieu parce qu'il n'y a pas tout sur lui. Voilà. Esaïe 26, du verset 20 à 21. Si on prend d'abord le verset 20 pour montrer la colère de Dieu, l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Dieu est fâché. Tu sais pourquoi au Ghana, tu as perdu quelqu'un là-bas? Perdu quelqu'un? Oui. Ah. Tu n'as pas compris, il y a maladie, il y a venu là. Il y a une maladie, il est venu Côte d'Ivoire, il a moulu tout le monde là. Oui. Il s'en va ma pays, il s'en va. Il s'en va Ghana. Il s'en va Ghana. Ma copine, je vais t'informer que les frontières sont fermées. Disco la Jante. Maluco, maluco, gana, maluco. Ai, 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 pourquoi tu pleures? J'espère que ton propriétaire t'a pas chassé, hein, parce que toi là tu payes pas la maison à temps. Hey, si ce propriétaire même là, hein, Mawa, c'est bon. Mais pourquoi tu pleures? Je s'en vais au Ghana. Tu sais pourquoi au Ghana tu as perdu quelqu'un là-bas? Perdu quelqu'un? Oui. Ah. Tu n'as pas compris, il y a maladie, il y a venu là. Il y a une maladie, il est venu Côte d'Ivoire, il a moulu tout le monde là. Oui, oui. Il s'en va ma pays. Il s'en va Ghana. Il s'en va Ghana. Ma copine, je vais t'informer que les frontières sont fermées. Avion va plus. Voiture aussi. Tout le monde est fermé. Que y'a l'argent prend avion parti. Y'a prend car parti. Tu comprends? Personne ne rentre et personne ne sort. Donc c'est mieux de ramasser tes trucs et rentrer à la maison. C'est que le gouvernement a parlé à la télé, les morts ils respectent pas ça là. Et il dit ce que ça veut faire là. Et puis les gens sont compliqués. Non, 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 il faut péter gagne. Et puis cache les ouais, il va payer ça là. Donc si elle revient encore, si elle vient trouver qu'il n'est pas dans sa gamme. Non, il va payer ça. Là, tu savon l'eau là, c'est bien. Comment il faut te protéger. Non, ce qui me plaît chez toi, tu es un gars bien. Pourquoi il est bien propre, tu lances à zoo. Et puis là, tu as mis l'eau et le savon à l'entrée, ça c'est très bien. Non, c'est que le gouvernement dit, moi je respecte. Hein. On dit un mètre, je respecte. L'eau et puis le savon, je respecte. Ouais. Ben, la santé avant tout. Hein. Yako, si tout le monde pouvait faire comme toi, c'était bon. C'est bon. Sango, tu finis pas? Non, j'ai fini de laver, mais je vais porter mes gants maintenant. Viens t'asseoir. Ok, d'accord. Je te sers quoi? Ah, bon, apporte-moi un petit café. Voilà. Attention, un peu. Bon, regarde, grâce à toi, rien à l'air comme ça. Voilà, merci. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas que c'est comme ça. Yo, beaucoup de jeunes sont en train de faire. Les autres pays, la même manière, on a parlé de ça. Tout le monde est ici, on a des problèmes de promotion. Bonjour, 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 monsieur. Bonjour. 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 Hey, Deblo. Comment tu vas? Je prends ces saluts maintenant. Pourquoi? Après le coronavirus, on est 1 mètre de mesure de sécurité. Il faut laisser ça. On ne se serre plus la main. Il a dit, c'est plein vieux. Nous, les jeunes, là. Coronavirus. Ça ne peut rien nous faire, nous, les jeunes. Il a dit, maladie, là, ça ne connaît pas jeune, ça ne connaît pas vieux. Ça prend tout le monde. Oh, faut le laisser. Et moi, je suis bien frais. Maladie, la périmée me fait. Il faut aller laver ta main, c'est simple. Yeri, il est là, ma main matin. Yeri, va laver ta main. Il faut laisser ça.
Quand on te dit d'aller avec ta mère, toujours les dangereux pour toi. Va avec ta mère là-bas. Petit, faut te calmer, faut t'asseoir. Hé, c'est qui t'appelle petit là? Lui là. Toi, tu es mon petit. Attends. Moi là ici là, tout le monde entra de moi. C'est mon appel Aziz de King de Luba, mais c'est plus quoi. Moi j'aime pas foutaise. Quand t'es pas là, faut écouter. Va laver tes mains. Oh, y a coronavirus là. Il connaît pas vieux, il connaît pas jeune. Il garde tout le monde. Donc pour éviter ça là, tu te laves bien les mains à tout moment. Comme ça, c'est pour toi mettre ton bien et pour le bien de tout le monde. Tu as compris non? Hey, Aziz. Aziz. Ouais, c'est champion. Ferme les yeux. D'ici elle finit de rouvrir. Faut laver ta main. Vieux, c'est pas arrivé là-bas. Pas un coronavirus là, lui il tue quoi. Il a compris. Madame, si elle finit là, ma mère, il y a ma mère quoi? Ouais, ça, faut laver seulement. Si tu finis là, il va gérer ça. Voilà, prends ouais. Il y a un gars quoi? Elle pas que ça va faire les vieux et les jeunes. Ça tue tout le monde champion. C'est pour toi mettre ton bien, hein? Et puis pour le bien des autres aussi. Faut venir ouvrir tes gars, moi, ça va prendre ça. Ça va manger ça. Mesdames. Hé, tu dis que c'est marié. Je ne mets pas. Tu peux laver ta main, tu insistes. Voilà. C'est pas fini. On prend un café là-bas. Tu as vu, comme ça, c'est bon. C'est bien pour toi et c'est bien pour tout le monde ici. Non, il a compris. Tu nous parles comme ça. La voix n'est pas payée, pardon. La voix n'est pas payée. Ça va être ah, vraiment. Vraiment, le pays là, c'est gâté, hein. Il y a quoi? Mais je suis en train de parler, crier partout, je t'ai parlé de maladie, tout ça là. Ah, le coronavirus. Oui, c'est ça. Donc, quand je te cherchais, je voulais te voir. Sois béni, mon fils. Hein? Sois béni dans le nom du Seigneur. Que Dieu, dans son infinie bonté, te garde. Amen. 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 Mon fils, vraiment, le coronavirus, c'est une maladie qui est mortelle. Oui, c'est ça. Maintenant, tu me cherchais pourquoi? À partir d'aujourd'hui, là, hein, je vais laisser après des. On appelle le PC. Je vais maintenant suivre Dieu directement. Ah. Tu vas aller dans ton église là-bas. Voilà Dieu. Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Enfin, un fidèle qui reconnaît tes bienfaits. Mais mon fils, malheureusement, l'église est fermée. Hein? L'église est fermée à cause du coronavirus. L'église est fermée. Mais comment l'église est fermée comme ça? Comment elle est fermée? Mais ce sont des mesures qu'ils ont prises, donc l'église est fermée. Mesures comme ça, là, rien, c'est pas bon. C'est vous, tu allez ouvrir l'église et puis nous, on va repartir dans l'église là-bas. Maintenant, vous allez prier pour nous. Non. Vous les hommes de Dieu, vous allez prier pour que maladie là, ça quitte dans le pays, là, ça va trop loin, ça va loin. Mon fils, hein? Il faut savoir que le coronavirus est une maladie mortelle. Et ça se propage rapidement. Donc, nous, hommes de Dieu, c'est notre devoir de protéger nos fidèles et l'humanité. Sois béni, mon fils. C'est pourquoi on a fermé les églises. Sois béni dans le nom du Seigneur. Mais mon fils, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Tout est écrit dans la Bible. Oui. Comme ça. Si tu veux tousser là, tu fais comme ça. Ici là, c'est Zolo, il y a dedans. C'est Zolo, il y a dedans. Mon habit là, il y en a qu'à faire comme ça dedans. Tu es malade. Hein? Donc, tu n'as pas télé chez toi. Adjoa. Mawa, tu n'as pas télé chez toi. Mawa, c'est moi, si c'est Adjoa, tu as parlé comme ça là. Quand tu es venu dans mes maisons là, tu as vu la télévision là-bas. Ou bien tu as payé la télévision, mais tu es là-bas. Si tu soutiens moi, là, il faut parler avec toi. Donc, ce que le gouvernement parle, le président même a parlé, tous les docteurs ont parlé, OMS a parlé, tu n'as pas compris. On dit quand tu veux tousser, tu fais comme ça. Et si tu ne peux pas faire ça, tu prends mouchoir, tu mets ici, tu prends et tu jettes. Et tu cherches eau de savon, tu laves ta main. C'est tout. Pour ne pas contaminer tes proches. Ah, donc c'est moi qui ai contaminé ce soir. Hein? C'est le président qui a parlé. Oui. Si tu veux tousser, tu fais ce que je te montre. Il a parlé de toi qu'il est malade. Il a parlé de toi qu'il s'en va au Ghana, non? C'est pas ça qu'il a parlé de toi. Tu t'en vas au Ghana. Je vais t'informer que Ghana, là, il y en a aussi là-bas.
Mon fils, reçois la bénédiction du Seigneur. Tu sais, quand on prend Isaïe, Isaïe 26. Esaïe. Oui, Esaïe 26. Qui est Esaïe là? Mon fils, c'est un passage de la Bible. Ah, oui, là, pareil. Si on prend Esaïe 26, du verset 20 à 21, il est écrit quoi? Que la colère de Dieu va se battre sur nous. On va lire ça ensemble. Esaïe 26, en verset 20. Il a eu la chance. Ça tue tout le monde, champion. Et ici, il n'est pas responsable. De toute façon, il y a une grande narine. Vous allez comprendre que Fugo Bara, c'est pas champagne. Et bois rapidement mon café. Faut pas qu'on me tue avant que le corona même va me tuer. Tu dis quoi? Non, non, j'ai pas parlé. T'inquiète. Moi-même là, je sais que demain il va fermer. Parce que le gouvernement dit de fermer maquis, boîte de nuit, restaurant. Même si c'est pas un restaurant, mais il va fermer. Regardez mon là. Hein? Merci. C'est mieux de rester chez toi. Moi, en tout cas, où est mon verre? Chemin comme ça. C'est mieux de prendre tes parages et retourner chez toi. Tu as compris? J'espère que c'est rentré. Je comprends. Tu dis c'est le président s'il a parlé, non? Il y a des présidents à parler. Tous les docteurs ont parlé. Je comprends. Donc, ramasse tes trucs et rentre chez toi. Moi, je m'en vais. Merci. Mawa, ça m'a calmé. Aujourd'hui, là, il y a vu que tu as intelligent un peu aujourd'hui. Là. Sinon, toujours, ça, il y a bête. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Voilà! Esaïe 26, du verset 20 à 21. Si on prend d'abord le verset 20 pour monter la colère de Dieu, l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Dieu est fâché. Et quand on prend le verset 20, va, mon peuple, entre dans ta chambre. Oui, mon fils, toi, entre dans ta chambre, mon fils. Ferme la porte derrière toi, mon fils. Mon fils, cache-toi. Cache-toi quelque part pour quelques instants, afin que la colère de Dieu soit passée. Reçois la bénédiction. Mon fils, c'est de là que vient le mot confinement et la quarantaine. Reçois la bénédiction. C'est ce que Esaïe a dit, mon fils. Merci, comprends bien, Dieu, il a fâché. Dieu est très fâché. Le Seigneur est fâché contre nous parce que nous péchons. Nous nous éloignons des églises. Nous ne partons pas à l'église pour nous confier à Dieu. C'est au moment qu'on a problème qu'on connaît Dieu. Sois béni, mon fils. Mon fils, tu vas te mettre à 1 mètre de moi. Voilà, à 1 mètre de moi pour que je puisse prier pour toi. Mets-toi à genoux, mon fils. Hein? Mets-toi à genoux, mon fils, pour que je prie pour toi. Comment ça? À part l'esprit maléfique du coronavirus qui rôde sur toi, mon fils. À part l'esprit de la maladie qui rôde sur toi, mon fils. Mon fils, le Seigneur, Dieu te voit en ce moment. Mon fils, sois béni dans le nom du Seigneur. J'ai prié afin que Dieu te loigne de cette maladie. Réponds Amen. Amen, mon fils. Mon fils, Amen.